Nous commençons aujourd'hui notre montée vers Noël, qu'on appelle la période de l'Avent. Premier dimanche de l'Avent aujourd'hui nous invite à attendre le Sauveur qui vient, Jésus. Il y a un mot-clé aujourd'hui dans les lectures, veillez. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Veillez. J'aime bien ce mot veillez, que nous retrouvons d'ailleurs dans les religions d'Asie. Awareness, l'éveil dont parle le bouddhisme. L'éveil de l'âme, l'éveil de l'esprit à cette réalité mystérieuse qui nous habite, qui est en nous et autour de nous, qui nous enveloppe. Veillez. Car Dieu n'est pas ailleurs. Il est là, il crève les yeux, mais encore faut-il ouvrir les yeux pour le voir. Notre rôle consiste justement à ouvrir les yeux, être attentif, attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Le Concile Vatican II nous invite à être attentif aux signes des temps. Les signes des temps, ça veut dire la scène politique. Les signes des temps, ça veut dire notre vie quotidienne. Les signes des temps, ça veut dire notre vie intérieure. Dieu nous fait signe 1000 fois par jour. Ce qui manque, c'est l'attention. Simone Weil, la grande philosophe juive qui m'a tellement marqué, un génie de tous les temps, a un livre et des écrits sur l'attention, l'attente, l'attention. Être des gens qui attendent. Et donc, sortir de son sommeil. Nous sommes souvent des êtres endormis, endormis, assoupis par toutes sortes de choses qui nous distraient. On s'étourdit dans le grand brouhaha des médias, d'Internet, de son portable. Et il s'agit pour nous de sortir de ce brouillard et de ce brouhaha pour être attentif, attentif à notre vie, aux signes intérieurs qui nous sont donnés. Et en même temps, non seulement discerner ces signes et les comprendre, mais pour les comprendre, il faut les vivre. On ne comprend que ce qu'on vit, on ne comprend que ce qu'on vit. Ce que je vis, je le comprends. Ce qu'on appelle en anglais « learning by doing ».« Learning by doing », la pédagogie actuelle, la psychologie actuelle nous dit que toute connaissance passe par une expérience. Toute connaissance passe par une expérience. Le grand théoricien de l'éducation américain, John Dewey, a un petit livret « Experience and Education », l'expérience et l'éducation. Et c'est pourquoi alors
C'est en faisant la vérité. La semaine dernière, nous parlions de découvrir la vérité. Et maintenant, je viens d'y faire allusion. Il s'agit de la vivre. Tout ce que tu n'as pas vécu reste abstrait, extérieur à toi, théorique. Vivre, c'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile, si vous avez fait attention, dans un autre passage, il dit « Celui qui fait la volonté de mon Père saura que ce que je dis est vrai. » Celui qui fait saura. La relation entre faire et savoir. Faire et savoir. Tu ne sais que ce que tu as fait. Et ça t'entre dans le cœur, la chair, la vie. La vérité est une expérience. La vérité n'est pas une formule, une théorie, un système. Faire la vérité. D'ailleurs, dans les lectures d'aujourd'hui, il est dit dans la deuxième lecture, rejetons les activités des ténèbres. Revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, en évitant ripaille, beuverie, débauche, jalousie. Faire, vie, la vérité, et tu la comprendras. Et c'est pourquoi il ne s'agit pas d'attendre le Sauveur, venez divin Messie, venez, on t'attend. Non seulement on t'attend, mais on t'attend de façon active, une attente active. En vivant un changement, en évitant tout ce qui fait obstacle à cette vérité en nous. Celui qui fait la volonté de mon Père saura. Le fameux philosophe Maurice Blondel, son œuvre centrale, l'action, c'est l'action qui conditionne la réflexion. Karl Marx, à son tour, a repris la chose en voulant incarner la philosophie, la vérité, dans une praxis, une action. Alors, je terminerai par cette idée très importante. Celui qui, au moment même où il voit le vrai, ne le fait pas, cette lumière s'obscurcira lentement et disparaîtra. Au moment même où je vois la vérité, que ça c'est juste, que ça c'est vrai, que je dois le faire. Si je ne le fais pas, ça passe, ça disparaît, ça s'estompe dans le brouillard et la nuit, et je chercherai ensuite, sans trouver, le chemin. C'est ici et maintenant, c'est le moment où la lumière jaillit, où l'inspiration apparaît en moi, que je dois faire. Cette fidélité à la lumière intérieure, au moment même où je la découvre, c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas une théorie abstraite à appliquer un système, une religion même, non. Ta vérité est à faire à chaque instant. Et à ce moment-là, lentement, ton cœur deviendra lumière. Cette lumière, justement, que le Christ est venu apporter et qui est le signe de son royaume dans ce monde et dans tous les cœurs qui s'ouvrent à cette lumière. Amen.